Lundi, je vous parlais du BTC avec une vue baissière comme vue préférée. On était dans le cadre d'une congestion après la grosse chute de vendredi dans cette vidéo. Je te propose eh bien, de faire le point sur le BTC mercredi, tout de suite après la petite intro. Bien, donc, euh, donc lundi, euh, lundi, on était dans cette, dans cette congestion sur le 3 heures. On avait indiqué donc qu'on était plutôt dans une logique euh, de baisse pour aller chercher les 21 472, 19 909, en sachant qu'ici, on était en trois jambes et que donc il nous fallait encore une jambe baissière. Hier, on a eu le discours de Powell. Alors, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il il a été raconté. Mais en tout cas, les marchés ont réagi. Donc, dans un premier temps, on va regarder sur le 45 minutes. Donc, dans un premier temps, on a eu euh, une grosse chute. Puis, finalement, une montée. Alors, comme dans ces cas-là, toujours, eh bien, il y a de la, de la volatilité qui est relativement importante. Dans le live, je vous montre ça ici. Dans le live d'hier, on avait indiqué euh, que nous regardions. Euh, que nous regardions donc cette euh, ligne ici, en fin de compte, et qu'on attendait la cassure de cette. C'était le live d'hier. Hein. Je rappelle que tous les jours, je suis en live euh, pendant une petite heure ou une grosse en fonction des questions. Euh, à midi, sauf le mercredi, euh, où ce sera à euh, 13h, heure de Paris toujours. Et donc, on a eu effectivement cette euh, cassure, et donc, pour l'instant, on se dirige vers les 21 472. Lorsque je regarde un petit peu plus en détail, donc si on était, alors je vous avais indiqué l'indice, si on était effectivement euh, en position à la, à la baisse, initialement on avait indiqué que en dessous des 22 653, eh bien on pouvait avoir une continuation. Finalement, la structure a changé, c'est le propre du, du trading et de l'analyse. Euh, eh bien, on fait avec ce que le marché nous donne et euh, on a juste à rester assis dans son siège. Et en regardant TradingView, on a les données qui viennent à nous, donc c'est formidable. Et donc ici, on a eu une petite euh, prolongation euh, de, la, de la structure ici et puis finalement, on a euh, la chute. Alors pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que le cycle euh, ici arrive avec une divergence dans cette phase-là, mais pour l'instant, il est difficile de voir euh, une 5. Dans, ce, dans, ce, dans, dans cette chose-là. Alors surtout avec ça qui se balade au milieu, mais on pourrait faire éventuellement l'argument euh, d'avoir ceci, 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que euh, comme en plus on a une séquence baissière, puisqu'on a cassé en fin de compte les 21 975, là, grosso modo ici, les plus bas de vendredi dernier, eh bien ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut avoir un rebond ici, et le rebond, eh bien on ira le vendre. Alors c'est quasiment de l'intraday, il faudrait regarder en 45 minutes, tant que ce pivot-là reste en place. Genre celui-là ici, mais je dirais plus, plus, plus probablement celui-là, bon, c'est un petit peu la même chose, ils ne sont pas très très éloignés ici. Bien, une petite pause dans euh, ta vidéo aussi pour te parler euh, du copy trading spot euh, que vient de lancer BitGet. Alors, ceux qui étaient déjà habitués au copy trading sur les futurs, euh, je ne vais pas revenir dessus. Et maintenant, vous avez la possibilité de suivre des traders sur leur position spot. Alors, il y a un article je vous mettrai la description enfin le lien dans la description de la vidéo qui est bien foutu qui vous explique un petit peu ce qu'est le copy trading. Donc en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous vous connectez sur votre plateforme. Si vous n'avez pas de sur la plateforme Bitget, si vous n'avez pas de compte, vous avez dans la description mon lien de parrainage qui vous donne accès à des perks sur le Discord et également des taux avantageux avec des gros euh, des grosses rewards que tout le monde ne peut ce euh, que, 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 que je pense que tout le monde ne peut pas vous vous donner, c'est suite à un partenariat un peu spécifique avec avec Gate euh, Et puis donc ici vous manœuvrez, puis vous allez regarder un petit peu tout ce qui se passe. Vous avez le top spot trader, etc. Alors moi personnellement, je suis sur le le, le copy trading sur les, les futurs. Euh, on verra peut-être par la suite sur euh, le euh, spot. Il y a également une petite euh, vidéo dont le lien sera dans la description qui vous permettra eh bien euh, de comprendre comment ça marche. Et si jamais vous vous trouviez euh, comment dire une âme de trader et eh bien sachez que Bitgate euh, est en ce moment en train de recruter des copy traders sur le spot donc n'hésitez pas regardez cette euh, cette information allez on revient on revient, à notre, euh, on revient au chart ici on revient au chart ici donc, ici, voilà. Donc, je disais, il faudrait un petit peu plus de données. On va passer en 15 minutes. On regardera dans le live de 13h. Éventuellement, on aura plus de données. Donc, si on peut avoir quelque chose de ce type-là. Mais d'ores et déjà, ce qu'on peut, euh, qu peut voir ici, ce qu'on peut voir ici, c'est que si jamais on devait retracer, voilà, aux alentours des, euh, aux alentours des 22 138, euh, 22 228. Alors, attention, ici, je suis avec les les niveaux de sur Binance. Donc si vous êtes sur un autre exchange, regardez les niveaux, regardez les pivots pour adapter en fin de compte le, la chose. Sur Bitget, le prix est légèrement inférieur que sur, que sur Binance. Et donc dans cette zone-là, on pourrait avoir des possibilités de, de, eh bien, en fin de, compte, de vente pour aller chercher plus bas. Comme toujours, il vous faut euh, considérer les alternatives euh, dans le compte principal. Alors, pourquoi est-ce qu'on considère les alternatives Eh bien, c'est parce qu'on ne prédit pas l'avenir et que moi, je ne sais pas si, ici, est-ce que si jamais on ne continue pas à descendre, à partir de quel moment je vais arrêter mes positions, d'accord, en disant bah, que l'idée de dire ça n'est plus bonne, n'est plus validée par le marché, voyez, ici. Moi je suis sur ce niveau-là, donc je vise les 21 472 19 909. Alors attention, je suis dans des unités de temps qui sont relativement courtes ici. Euh, si vous êtes plutôt sur de l'accumulation, euh, eh bien je dirais que vous pouvez euh, tout à fait acheter dans ces, dans ces niveaux-là. Même si vous. Alors, enfin, quand bien même vous êtes en, en, en accumulation, probablement que vous ne regardez pas le 3 heures, mais vous, vous regardez plutôt le journalier euh, et voire éventuellement euh, l'hebdomadaire. Euh, donc ici, c'est la vue. Principal. Je rappelle que personnellement, pour moi, en ce qui me concerne, dans l'analyse, je suis baissier donc sur un retour sous les plus bas euh, de juin 2020, 2022. Mais encore une fois, euh, on peut tout à fait changer euh, d'avis, etc. Et justement, on regardera alors cette fois-ci sur le journalier quelles sont les informations qui nous permettront de dire bah, que ce compte là est. Invalidé par le marché. Mais pour l'instant, on a une vue ici. Si vous aviez vendu pour quelque raison que ce soit, ou si vous êtes à la vente comme moi euh, sur la grosse chute depuis les 23 000 et puis des reprises sur les 22 300, alors moi personnellement, c'est plutôt sur Ethereum, euh, mais sur BTC, ça marche à peu près la même chose. Euh, eh bien, ici, ce qu'on va surveiller naturellement, ce qu'on va surveiller, eh bien, c'est cette ligne-là en fin de compte. D'accord Pour une invalidation euh, du compte, c'est cette ligne-là. Alors, on avait commencé à la titiller un petit peu sur le repli ici, mais bon, avec le discours de Powell, eh bien, on a eu de nouveau un plus bas. Et donc, si jamais on a quelque chose de ce type-là qui repart ici, eh bien, qu'est-ce qu'on en, en conclura On en conclura. Euh, on va effacer ça, oui. Voilà, supprimer les dessins. Euh, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on aura peut-être à ce moment-là, on considérera peut-être plutôt à ce moment-là, eh bien, à... Un WXYZ -X ou un ABCDE à la limite, peu importe. Ici, on est légèrement plus bas, hein, donc euh, ici. Euh, et puis, on repartira. Donc, on aurait ici, en fin de compte, de la temporisation. On voit que pour l'instant, à chaque fois que le RSI est venu dans les, dans les zones de survente, et eh bien le prix a rebondi. Alors, pas forcément énormément, mais il a quand même rebondi. Et puis ici, euh, pareil. Donc, on arrive sur cette zone-là. Donc, si on arrive, si les vendeurs n'arrivent pas à enfoncer le clou, et eh bien à ce moment-là, on euh, verra un repli ici, et donc on regardera cette euh, ligne de tendance ici. De manière plus intéressante, de manière plus importante, si vous êtes en accumulation en journalier, je fais une petite parenthèse ici, ce n'est pas cette ligne de tendance ici qui va nous intéresser ici, mais ce sera plutôt en fin de compte cette longue ligne ici, d'accord, qui nous parle d'un sentiment, et donc qui part, on voit ici, hein, depuis janvier 2023, pour simplement avoir un changement de paradigme. C'est à dire qu'ici on pourrait alors on peut continuer un petit peu plus bas, mais sur la cassure de ça, eh bien on pourrait imaginer des choses comme ça sur le RSI et d'avoir en fin de compte cette ligne euh, donc de support ici voilà qui viennent changer la chose. Donc on voit ici que on est moi personnellement, je suis ni haussier ni baissier, on est sur du trading futur, donc on est sur des petites unités de temps et on essaye de trader bas ce qui le marché nous offre. Et euh, pour l'instant, eh bien c'est pas. Terrible. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera vendredi. On fera un point sur ce qui s'est passé cette semaine donc sur le BTC. Et également, je te donne rendez-vous tous les jours sur les lives, donc à midi, je rappelle, du lundi au vendredi, sauf le mercredi à 1h. Je n'ai rien oublié, si ce n'est de vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. Et on se retrouve bientôt. Merci. Au revoir.